handicap et entreprise. Le Festival des entreprises handi accueillantes fait son cinéma à l'UGC Confluence pour sa 6e édition. 12 courts-métrages sélectionnés par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et l'AGFIP sont en compétition. On appelle à candidature les entreprises sur la base de palmes thématiques. On se réunit. Et à l'issue de ce processus de sélection, bien, on retient 2 candidatures et on envoie une équipe de tournage dans les entreprises pour voir les personnes en situation de handicap dans leur espace de travail. Après 2 ans de Covid, le festival reprend du service pour le plus grand plaisir des entreprises et des partenaires. Les palmes ont récompensé l'alternance, le recrutement ou encore le maintien dans l'emploi. Des thématiques fortes qui ne font pas perdre aux palmés le sens de l'humour. Masque, tuba, c'était l'idée d'aller avec une palme. Avec une palme, on tourne en rond. Mais on aime bien des fois tourner en rond. Avec comme parrain cette année Armand Toinet, aventurier et conférencier atteint de la sclérose en plaques, et des protagonistes en situation de handicap dans des rôles de super-héros, les films se teintent de récits extraordinaires, mêlant histoire vraie et symbolique. Du coup, c'est l'histoire de ma vie qui est racontée. Dans ma première carrière, j'étais croupier. J'ai eu un accident de voiture assez grave qui a fait qu'il y a beaucoup d'événements qui ont fait que c'était incompatible. Du coup, je me suis retrouvé en situation de handicap et c'est grâce à ces 2 scènes que j'ai pu rebondir derrière. Le film met en scène de manière suggestive les différentes étapes, quand je suis croupier, quand j'ai mon accident et quand je suis en centre de formation. On part du principe que moi je suis une force tranquille, donc rien de matin. Donc peu importe ce qui peut se passer dans mon quotidien, des petites choses, ça me passe au-dessus. Et c'est toute une histoire sur le fait que je pars de chez moi et je vais jusqu'à l'agence. Il m'arrive 2-3 bricoles tout du long. Et la dernière bricole qui est censée m'arriver est sauvée par mon patron. Des courts-métrages de 2 à 3 minutes mettant en scène les salariés d'entreprises engagés pour l'inclusion ou en situation de handicap. Une expérience en tant que comédien, inédite pour les protagonistes. C'était un peu dur d'être très naturel, mais en soi, personnellement, moi je me suis bien amusé. Bon, c'était une nouveauté pour moi, je ne connaissais pas du tout. C'était sympa d'avoir une caméra, d'être un peu dirigé, de faire des choses, c'était original. Une soirée placée sous le signe de l'émotion et de la complicité entre salariés et entreprises. Des histoires de vie projetées sur grand écran qui offrent au plus grand nombre la possibilité de mieux comprendre le handicap.